Voilà. Et trop vite pour ordinateur. Bon, live à l'arrache, hein, j'ai pas fait d'image pour annoncer. Et vous savez que les réseaux sociaux adorent les images. En plus, Twitter va devenir payant. Apparemment. Donc lol. Qu'est-ce qui aurait pu mal se passer, en vrai. Bon, on va faire la quête, hein, comme d'habitude. Hein. Nous, on est quête... Ah oui, c'est vrai. Faut qu'on aille chercher la mairie. La mairie, parce qu'on a réussi à gérer la mine. L'auberge de Feld... Ah oui, c'est vrai qu'on est revenu à Beregost. On risque de mourir toutes les 6 minutes. Et là, on est dans l'auberge la plus rush, il me semble. Donc... Je crois qu'on a discuté avec tout le monde, peut-être pas lui. Ah oui, aussi... Hey, ne cliquez pas sur moi! Je ne veux pas d'ennui! D'accord. Petite note à nous-mêmes. Nous allons regarder combien de temps on joue à ce jeu. Voilà. 11 jours, 6 heures. Je crois que c'est pas ça le temps de jeu, mais d'accord. Il n'y a qu'une personne qui a augmenté de niveau. S'il vous plaît, respectez-nous. Où sont les niveaux déjà? Là. Oui, voilà, s'il vous plaît, là, on a besoin de monter des niveaux, s'il vous plaît, merci. Je crois que c'est Imoen qui a monté de niveau, elle est dans 3 secondes, elle est montée un niveau. Ouais. Les autres, ils galèrent. Bon. Et d'avancer quand même. Ah bon, c'est bon, okay. Okay. Voilà. Ne mourrez pas, monsieur. Oui. Peut-être le cuistot. Oui. Ok. Un étranger qui m'a guéri. Son visage est plus terrible qu'on ne peut imaginer, mais son comportement était irréprochable. Si vous voulez bien m'excuser, je dois partir faire des courses. Ok. Tout le monde est bourré dans ce truc. Bonjour Nibbler. Oui, bien sûr. On dirait que ce gaillard cherche ses ennuis. Eh bien, je vais leur en donner. Alors, pourquoi vous êtes si pressé? Ok, Roland de la Tour Bresson. Ah, mais ça se tape! Direct! Mais... Quel était cet échange où ça nous est amené à... J'espère bien que vous regrettez et ne revenez plus me déranger un instant. Vous êtes Roland de la Tour Bresson? Ah, excusez-moi, je suis surconnu ici. Puis-je vous aider? Oui, vous pouvez m'aider. Non mais laissez la place là, et chacun son tour, hein, dans les entrées. Transig n'a pas peur d'un agitateur de votre espèce. Ah mais c'était Transig. D'accord, je n'avais point compris. Nous avons trouvé Transig dans notre journal, nous devons chercher Transig. C'est lui le commanditaire de la mine. Monsieur le messager d'un nommé Tazok, oui voilà, donc commanditaire au-dessus du commanditaire. Je transmets les messages entre lui et un gros clerc du nom de Millet. Oui, mais ça on avait compris. Je rencontre Tazok soit à Valped, soit dans le bois de Lars. À l'est de... Bah, on va aller au bois de Lars, j'imagine. À l'est de l'auberge de Bramical. Mais paie bien, alors je vais faire mon capet. Je peux partir maintenant? Tazok, vous le trouvez dans le bois. Des dents acérées, c'est le chef des deux groupes de bandits, il change tout le temps de campement, donc si je sais pas, si vous le trouvez, je peux partir maintenant.
Ouais, bon, voilà. Excusez-moi, hein, mais là, Mulahay, on n'a même pas eu la... J'ai pu avoir le choix. Donc, de toute façon, il va se faire tuer. Allez, un jet. Un seul. Une nouvelle victime. Ah bah non. Excusez-moi. LOL, mais s'il vous plaît, c'est en fait. Je n'en peux plus. Alors attendez, parce que... Blague à part, préparons-nous dès le début. De mon mieux. Voilà, merci. Mettez-vous sur le côté, voilà. Ah, mais on est caché là. Ah, mais c'est peut-être pour ça qu'on a eu du mal à se déplacer tout à l'heure. Alors voilà, mettez-vous ici. Voilà, ça c'est les combattants de face. Et nous serons les combattants de loin. Je vais la randonner. Ok, donc du coup... Donc, Transic, on va faire comme désolé de vous avoir dérangé. Eh bien, quelle bonne surprise, l'heure de votre mort a sonné. Ben voilà, super. Allez, maintenant, que se passe une tâche facile. Et vous pouvez avancer. Oh, mon cœur n'y est pas vraiment. Par contre, je ne comprends pas. Comment il a pu tuer Dorm? Dorm, apparemment, tu risques de mourir, donc on va te mettre un peu de poison. Ça te dérange pas. Par contre, faut taper après. Hein. Le nombre de jets... Ah, merci. Mais du coup, il nous a pas dit. Là, il a pas parlé. Il est mort vite. Trop vite, trop vite, trop vite, trop vite, trop vite. Attendez. Normalement, il est censé nous dire, oui, en fait, Tazog, il est quelque part. Oui, bien sûr. Est-ce que c'est le moyen de discussion qui a pas été clair? On dirait que ce Gaïa cherche ses ennuis. Eh bien, ne vous entendez pas en tout, on peut... Je vais la randonner. Oui. Bon, du coup, c'est sans doute à cause de Dorn qu'il est mort vite. Vu que j'ai empoisonné, je pense que le serviteur le poison a marché. Une tâche facile. Mais regardez-moi tous ces dés là. Mais il... Mais il est mort trop vite encore. En plus, je me rappelle plus où c'est. Attendez. J'ai constaté qu'il était en cheville avec tout le monde. Il s'est probablement où se trouve. Mais oui, mais il est mort. Comment dire? Attendez, il meurt vraiment trop vite. Une tâche facile. Faut qu'il soit blessé et c'est qu'il fait. Ne meure pas totalement. C'est compliqué, hein. On avait réussi le début. Ses eh bien, bon. Je vais la comment qu'on va faire? Bon, on va le taper. On va le taper et on va faire semblant de le taper en complètement. On va se déplacer. Ah. Le serviteur de nous déplaçons. Hop. Avez-vous besoin de... S'il n'y a pas le choix. Faut juste survivre à ce combat. Voilà, merci. Ah, il vole des vies. Ok. Il reste combien de vies là, monsieur? Gravement blessé. Est-ce que vous allez parler? Non? Attendez. Et maintenant, oui, bien sûr. Petite pause. Oh, bien sûr. Bon, bah voilà, on saura jamais. Il va mourir trop rapidement. Je pense qu'on apprend tout dès la première sauvegarde et après c'est fini. Bon, allez, salut. Ces Gaïa cherchent ses ennuis. Eh bien... Je vais la randonner. Bah écoute, mon cœur n'y est pas vraiment. Peut-être qu'on va avoir la discussion au pif comme ça. Dégâts d'acide. Le serviteur de Dame Nature attend. Voilà, il est décédé. Voilà. Donc du coup c'était le bois à côté de bras, oui. Amical et le bras de je sais pas quoi où il nous disait oui quelque part je là-bas. Plus touché que je ne le pensais.
Prends, parce que 1, 2. Et du coup, voilà. Y'a rien d'autre à piller? Non. C'est non. Fait. On fait des rencontres et après les discussions se finissent trop rapidement. Dommage. Très hostile hein, comme monde. Bonjour. Badouilleur. Hé, hé, hors de mon chemin, espèce de vieux bûcheron desséché. Même pas entendu son insulte. Je ne vous entends point, mon cher. J'ai payé la mienne, bien le salut. Oui, bien sûr. Bon. Alors, du coup, on a un problème parce qu'on n'a toujours pas la possibilité de se déplacer de ce côté-là. Ici, ça sent la guerre. Donc, on va suivre le journal, hein. Le journal, il nous dit, concentration, c'est bon. Voilà, l'histoire. Même si le capitaine Braj venait à être capturé, il serait sûrement mis à mort pour ses crimes. Mais oui, mais du coup, le bois de Lars, oui. Il semblerait que les attaques de bandits liées au manque de fer y trouvent leur origine. Il devrait y avoir une base cachée quelque part dans la forêt. Eh bien, d'accord. Le bois de Lars... une tâche facile. On a plein de vie, on va sauvegarder. Salut Raving Bell. Bah ouais, jusqu'à la fin de l'année. Hein. Les bois de Lars. Il a dit que c'était à côté de Wrapa Amical. Ah bah voilà, camp de destination. Ah bah voilà, bon, on va jusqu'à Bra Amical. Je te shootout, Raving Bell. Wait a minute, please. Oui, il faut qu'on aille. C'est fait. Ah non, faut faire tout le tour par là, je crois, pour aller chez Bra Amical. Alors, ce que je fais, je m'occupe d'un atelier avec des machines particulières de construction créative. Voilà. J'essaie de faire en sorte que personne se blesse. Et qu'on apprenne un peu à faire de... Ah. Ah. Oui, vous êtes une vieille autre présente. Puis-je vous aider? Ma lame vous coupera un morceau. Zoom sur cette attaque. Je crois que Bras Amical était vivant. Faites quelque chose en fait. Faites quelque chose s'il vous plaît là. Les dératés, j'en peux plus. Et maintenant où? Avez-vous besoin de mes services? Passons aux choses sérieuses maintenant! Oui? Oui, bien sûr. Mais je suis dans un truc de deep pop, quoi. C'est pour être plus simple dans la discussion. Tac, 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 tac. Oh, je crois que je vous ai remarqué, mon cher. Mais je ne pensais pas que c'était si hostile autour de Grappa Amical. Choqué, hein. Choqué, pas déçu. Par contre, Razad, si tu peux aller mourir avec les autres, ça serait cool. Ah, merci. Quoi? Oui. Ok. Oui, une tâche facile. Bon, je vous laisse discuter entre vous. Hein. J'essaye d'avancer dans la quête 1 où on monte pas de niveau.
J'espère que tu vas bien, une belle. Dans quelques secondes, je... Bah, Tissi Nibbler, tu veux bien faire point d'exclamation S.O. pour notre chère Evelyne Belle, moi je suis... Figure autoritaire omniprésente. Oh, mon cœur n'y est pas vraiment. Merci, merci, d'avance. Pour ceux qui ont péri. Merci. Bah, Bah, S.O. Et maintenant, où passons aux choses sérieuses maintenant. Merci, merci, en tout cas. Et là, tu montres à quel point 12 bis est à découvert, en vrai. C'est pas grave. Bon. Et sinon, je peux faire... Ah, Valped. Il a parlé de Valped. Allons voir Valped. On n'a pas sauvegardé, hein. Notons-le. Ça fait actuellement plus de 16 heures que nous n'avons pas sauvegardé. Je pense que nous allons dormir. On sauvegarde. Et nous allons dormir avant même de commencer. Je vais m'y mettre. Voilà, quoi de mieux que d'ouvrir cet endroit inexploré par... dans la nuit, bien sûr. Voilà. Oui, bien sûr. Regardez-moi ça. Nous, on galère à faire des jets de dés. Lui, il a dit, je vous ai vu de loin. Soldat d'élite des griffes noires a dit, attaque Imoen. Attaque Imoen, il a dit, ok, jet d'attaque, ça fait 19 plus 2, parce que c'est validé direct, hein. Il n'y a pas de raté ici. Touché, 21, bam, dans ta tête. Subi 5 points de dégâts projectiles, infligé par soldat d'élite, et résiste à 1 point de dégâts, parce qu'on est nul. Et ensuite, Imoen a dit, ah, subi 5 points de dégâts de froid en plus, infligé par soldat d'élite des griffes noires, résiste à 1 point de dégâts. Oh là 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 là. Le dé de sauvegarde de l'enfer. Voilà, nous avons fait un pas dans cet endroit. Je pense qu'on peut sauvegarder et redormir. Je pense qu'on va faire ça, hein, parce que... Oh, oui. Quel enfer. Je pense que ça sert à rien d'essayer de combattre. Reculons. Voilà, elle est décédée. Je pense qu'on peut charger maintenant. C'est officiel, ce jeu, c'est l'enfer. On peut même pas faire un pas dans une auberge sans se faire attaquer. Pas possible. C'est pas possible. Excusez-moi. Où est le fun? Le fun, vous savez, dans jeu vidéo, il y a jeu. Je fais pas un pas. Attendez. C'est fait. Oui, c'est vrai. C'est un peu plus 10. Mais là, on va mourir. Regarde. Ah non. Ha. On l'a évité. On l'a évité parce que j'ai bougé, bien entendu. Stratégiquement, passons aux choses sérieuses maintenant. Nous allons faire quelque chose. Je ferai de mon mieux. Bah oui, vise bien Imoen, hein, bien sûr, hein, bien sûr. Bien sûr. Oui, c'est comme si c'était fait. Bien sûr, Imoen, bah, allez, par là-bas, hein, s'il te plaît. Voilà. Vous avez quelque maintenant, chose tu peux à accomplir. Sauvegarder. Voilà, lui rendre un peu sa vie. Parce que là, si on avance, il est pas tout seul, c'est sûr. On va se prendre toute l'équipe. Et maintenant, là. Que se passe-t-il ? Oh, mon cœur n'y est pas vraiment. Ah non, il est tout seul ? Non. Il se va de Sirius ? Bah voilà. Alors, notons. Même avec l'infravision, je préfère la lumière du jour. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, Razad, c'est pas vrai, j'y crois pas à ce que tu me dis, non. Lol. Tiens, on va récupérer, ah mais j'ai plus de place là-bas. Mais là, ils sont jamais seuls. Pourquoi lui, il est tout seul? Bon, de toute façon, on va dormir. Hein. C'est notre stratégie, maintenant. C'est simple. On fait 10 pas. Correction, du coup. On fait 10 pas. On fait dodo jusqu'à guérison. On sauvegarde. Et on refait 10 pas.
on fait dodo avec Garrus. Voilà, c'est pas possible. On peut clairement pas avancer. Non mais excusez-moi, j'avais oublié qu'on nous attaquait aussi pendant qu'on dormait. LOL. Bon, bandit, mourez. Voilà, récupérons le scalp, tout ça là. Parce que je pense que ça va nous servir à la fin. Et on redort. Allez. Merci. C'est une stratégie valide. Oui, il paraît. Mais où est le fun? C'est bon? Sauvegarder? Oui, bon, c'est fait. Bien sûr, avançons sur la route. Quitte à avoir des bandits qui soient au moins opérationnels. C'est-à-dire sur la... Ah, il n'y a pas de route. Ok. There is no hood. Ceci est de l'eau. Mm-hmm. De la glace. Mm-hmm. Ça veut dire qu'on peut glisser ici. Ah, un ours. Attendez. Et maintenant, que se passe-t-il? Attendez, c'est le moment d'utiliser mes compétences. Ah bah ça y est, il a sort. Il a un sort de vie. Du coup, il a un sort de vie par jour. Voilà, maintenant on a un charme animal. Voilà, maintenant si jamais on se fait attaquer, et l'ours il peut accourir. On va rester à côté de l'ours. Ah, un autre ours. Oui. Ah oui, mais je peux plus le charmer lui. Oh là là. Et maintenant, c'est fait. Oh là là. Bon, vite, attaque l'ours. Et maintenant où? Vite. Voilà. C'est fait. Mettons-nous du côté de l'ours. On survivra un peu plus comme ça. Le serviteur de Dame Nature attend. Mais jamais, jamais on va arriver à avancer. Hein. Vite l'ours! Allez l'ours! Allez, allez! Ha. Ha. Il a aussi des dés pétés, hein, l'ours. Ah, mais il a des dés moins pétés que nous. J'ai pris un arc, je sais pas pourquoi. Où est l'arc? Après, faudrait peut-être qu'on identifie des trucs, hein. Je me dis. Et qu'on vende des choses, mais bon. Bon, ça, c'est pas mal. L'arc, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Hop, ok. Bon, là, il y a des trucs en plus, on va mettre là-haut. Non, là, ok. Eh bien, écoute, hop. Merci, copain l'ours. Tu veux qu'on te... On fasse la technique de... Oui. On te soigne, cher ours. Que tu es peut-être un peu blessé. Oui, voilà. Oh non, tu fais partie totalement de l'équipe, hein. Il est guéri. Super. Allez, on fait dodo. J'espère que notre ami l'ours nous protège pendant qu'on dort. On va quand même se faire attaquer. Hein. Ah non. Where is notre ami ours? Bon, alors que... Une tâche facile. Au moins, on a utilisé notre sort de charme animal. Peut-être qu'un jour, on pourra parler aux animaux. Je croyais que c'était officiel dans le Rodeur Tracker. Et ouais. Un peu, hein. Ah bah non, bah du coup c'est pas vraiment un let's play vegan, hein, parce qu'on va tuer cette araignée. Je suis désolé, mais elle est colossale. Quoi? S'il n'y a pas le choix. Si c'est possible de la taper à distance. Le serviteur de Dame Nature attend. En plus, elle aussi, elle se balade à plusieurs. Oh, mon cœur n'y est pas vraiment. On n'a pas trop d'antidote, je crois, en plus. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît. Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui... 14 points de dégâts de Roland de la Tour Brosson. Il y a quelqu'un qui a été empoisonné. Non, ça a l'air d'être bon, hein. En général, c'est Razad ou Khalid. Bon.
Oui, oui, bien sûr. Alors là, il doit y avoir sa pote, l'araignée. Mais bon, on peut faire charme animal sur les araignées, mais vu qu'elles sont un peu plus agressives que les ours, c'est plus compliqué. Là, il y a quelque chose. De la thune. Je pense que c'est par là. Sauvegardons. En dormant. Do you seek enlightenment? My training at the Sun Soul Monastery began the moment the kindly monk brought Kamaz and me inside its walls. As you might imagine, there was a great deal of physical training. At first, we were assigned chores and exercises. We looked with envy upon the older initiates who practiced combat techniques while we swept the stones and prepared meals for our seniors. The monks taught us to read and write. Oh, ça fait combien de 1598 jours en année? We learned to meditate upon the moon, the shards, and the stars. We also learned to meditate on the darkness between them. For it falls to us to battle the sins of Selune's dark sister. 7 ans, bah oui, bien sûr. Je pense que au moins. Hein. Au moins. At last, we learned to combine our learning, devotion, and physical prowess to project our inner light outward. With it, we combat the darkness inside or surrounding others. We all strove hard, but Gamaz was the best among us. Oh non, Gamaz, on va le rencontrer. Only I could come close, but each time victory was within my grasp, he swept it away with some spectacular strike. Even among the elder students, Gamaz stood as a pillar of tradition and excellence. His death is a great loss. Not only to me as his brother, but also to Mais on connaît, il y a des nécromanciens dans le coin. I thought it best that you should know my past, since we traveled together. What else can I tell you? Oui, bien sûr. Continue à faire de dos, on sait jamais, hein. C'est exactement ça. Je pense que s'il y a une commode vivante qui se balade et qu'on se prenne le pied dedans, je pense qu'on va sauvegarder, bien entendu, et dormir. Je pense qu'en fait, si on reste là, on peut décimer tout le camp bandit à faire dodo. Hein. Franchement, Ma lame vous couperait un morceau. Oh, mon cœur n'y est pas vraiment. Il faut quelqu'un avec un inventaire vide pour récupérer cet argent, merci. Ok, ok, ok. Alors, je vais... Ah, mais oui. Bah, c'est ce que j'allais faire, hein, de toute façon. Je vais juste... sortir 3 secondes du jeu. Enlever la caméra. Me mettre... Alors, attendez. Sans le micro, et je reviens d'ici quelques secondes. Si ça vous va. A tout de suite. Oui, quelques secondes, voilà. A tout de suite. Oui, oui, il y a un système de gestion d'expérience. Alors, attendez, parce que je vais vous montrer. Alors, le système d'expérience est là. Ah, bah, tu vois, je vais... Voilà, si on dort encore une fois, je pense qu'on passe un niveau. voilà, je pense qu'on peut gagner de l'expérience, voilà. Ah, Razad aussi. Bon, bah, c'est très bien. Regardons. Je pense qu'on va trouver cet endroit bandit. Et que cet endroit bandit va être incroyable. Parce qu'il y aura deux personnes, et dans ces deux personnes-là, il y aura les ceux qui ne sont pas venus même m'attaquer pendant que je dormais. Ah, de l'argent peut-être. Ah, un cairn. Ça va nous aider. Bois des dents acérées. Bah, c'est exactement là où il y a le chef. Oh,
Non, des chiens qui attaquent. Non. Oui, pourquoi? Qu'est-ce que vous je voulez dire, autoritaire omniprésent? Pour ceux qui ont péri. On va gagner des points d'expérience à tuer des chiens, j'en peux plus moi. Oui. Triste. Oui, bien sûr. Je pense qu'on approche du bois bandit. J'ai gagné de l'expérience et je vais passer un niveau, j'y crois pas. Alors c'est quoi la touche R? Prêt à monter en niveau. Niveau supérieur. Alors, nous, on est bâton-bâton, arc long, fronde, et deux armes. C'est chose qu'on n'a pas encore utilisé beaucoup. Bon, on pourrait augmenter l'arc long. Hein. Ou le bâton. Mais en vrai... Ah mais en fait je peux rien augmenter, j'ai pas de points de compétence ni de talent. En fait j'appuie sur niveau supérieur et c'est tout. J'en peux et plus. Maintenant, où... C'était le c'est premier fait. Niveau, c'est juste t'as passé un niveau, t'as rien de plus. De la vie peut-être. Oui t'as de la vie. Bon, où est ce commandit? Parce qu'on doit être pas loin. Hein. Ah! Un bandit qui discute, incroyable! Un autre bandit qui discute, incroyable! Bon, attendez, parce que là, on y arrive. Je pense qu'on y est. On va devoir jouer la diplomatie. Vos épées ou vos têtes, qui mordra la poussière? Bon, alors là, c'est une bonne question. Est-ce qu'on baisse les armes? Bah écoutez, ça on va pas dire hein, parce que je crois que là, enfin, je sais pas. On va dire ça. On va voir. Pourquoi je vous le demande, aurions besoin de vous. Voilà, c'est ça. J'étais sûr qu'ils allaient être hostiles. Voilà, si on parle de Tazok, est-ce qu'ils vont cramer qu'on est peut-être des gens qui avons fait quelque chose? Voilà. Voilà. La diplomatie tout à fait logique et... Vous avez quelque chose à accomplir? Voilà, on va taper lui, là, déjà. Juste pour le dire. Mais pourquoi, Razat, tu n'as plus de vie déjà? Il s'est passé quoi, là? Razad. De la vie. Pour vous, s'il vous plaît. Oui, ô figure autoritaire omniprésente. Ouais, mais il n'y a plus de potions. Les potions coûtent 212 balles, on n'a pas de thunes pour ça en fait. Hein. Bon bah voilà, Razad est mort. Chargeons la partie précédente. Voilà, on y était là. C'est juste à côté. Bon, Razad, tu n'avais pas de vie de base, comment vous dire. Je pense que... On va lancer un sort d'enchevêtrement. Oui. Oui, bien sûr. Voilà. On va se mettre là, et on va faire les pourparlers avec Dorn. Allez hop, Dorn, voilà, bonjour. Ouais, on va pas vous attaquer, on ne peut pas se permettre, voilà. Allez, maintenant vous pouvez venir. Et maintenant où? Oui. Stratégiquement, nous allons reculer. Dans ce goulot d'étranglement pour pouvoir faire une embuscade. Voilà, hop, oui, ça serait bien si nous fléchions aller par là. Merci. Non, peut-être plus là, parce que là, les fléchés, ils vont arriver, sinon. Et je pense qu'on est en position. Hop, maintenant, enchevêtrement sur leur tête, là. Merci.
Alors peut-être le corps à corps, pas tout de suite. Voilà, maintenant on peut commencer à attaquer de loin. Ah mais il meurt dans l'enchevêtrement. Incroyable. Je pense qu'on est bon. Razad a gagné de la vie, a gagné son niveau supérieur. On a 10 points, super. Détection de piège, se cacher dans l'ombre. On a que ça là. Je suis choqué. Attendez, je vais peut-être remettre la cam. Pour montrer à quel point je suis choqué. Je pense qu'on va faire de Razad notre pourfendeur par l'arrière. Alors attendez. Hop, je remets la caméra. Piu 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 piu. Voilà, bonjour. Et on est reparti. Je pense qu'on va faire ça. Hein. Voilà, hop. Parce que ça sert à rien avec Imoen d'avoir deux personnes qui puissent repérer des pièges. Je pense qu'on est pas mal. On continue. Avez-vous besoin de signes? Est-ce qu'on ferait pas un truc genre les corps à corps passent par là? Que vous pouvez pas faire un truc, c'est-à-dire qu'est-ce que tu clignotes? Et maintenant que ce Ah oui, c'était que toi. Bah non, Avast. Ah non, Avast, hein. Pas tout de suite. Puis-je vous aider? On perd des frames à cause de Avast. C'est bon, on y arrive au fur et à mesure. Je pense que le mieux, ce serait de passer par là. Voilà. Et maintenant, dès que vous voyez quelqu'un, bim. Il est agonisant, le bandit. Avez-vous... S'il n'y a pas Allez. Le choix. Voilà, donc on a Raiken. Maintenant, on va lui voler sa vie déjà dès le départ. Comme ça, au moins c'est fait. Voilà. Touché. Ensuite, on s'empoisonne. Et on attaque. Oui. Ce serait bien que vous faites quelque chose contre lui, là. S'il vous plaît. Bon, Razad, pas. Maintenant, que se passe-t-il? Une tâche on s'approche facile. Et on le tape. Voilà. Hop. Je peux toujours on se recroqueville entre nous. Voilà, petit soin entre nous. Alors attendez, je quitte notre cher Avast. Alors, je pense qu'on est pas mal là. Ah, puis-je vous aider? Valide à notre niveau supérieur en plus. Épée longue. Bah, je crois qu'il a une épée longue, donc ça tombe bien. Arme à deux mains, peut-être pas. Arc long, peut-être pas, on s'en fiche. Ça serait bien d'avoir un truc genre protection. Voilà, arme plus bouclier. N'importe qui peut profiter de la protection. Voilà, on va prendre ça. Non, on peut pas prendre. Ah oui, c'est vrai, on est au premier niveau. Loul. Oui? Loul. Est-ce que tu peux pas te régénérer? Ah non. Donc, du coup, toi, est-ce que tu peux régénérer notre chère régénératrice? Voilà, sauvegardons maintenant. Nous avons fait un pas. Et maintenant, c'est fait. On y arrive, hein. Avec ces petits mouvements de stratégie. Donc on a eu Raiken. On prend la vie. On prend la thune. On prend les scalps. Non, faut trouver le camp, je crois. Oui. Ah, je peux même plus prendre de trucs. Ah oui, parce que j'en ai 10 et plus. Bon, tiens. On va tout récupérer. Peut-être qu'on va avoir des gains sur le nombre. Ça, bah, du coup, ça va être pour Dorn. Okay. Et maintenant, que se passe-t-il? Et maintenant, où? Quoi? Oui? Je cherche juste à récupérer le scalp. Merci. Scalp, ok. 17 en tout. Et maintenant, que se passe-t-il? Et maintenant, sauvegarde. Dodo.
Bah c'est bon. Une il fait jour. Facile. Ah. Ted. Bonjour. Ciao. Qu'est-ce qui vous amène loin de chez vous? Nous sommes des aventuriers. Et bien sûr, je m'appelle Ted, je suis chasseur de gros gibier. Ce temps-ci, je chasse l'ours. Vous savez, un ours, ça vaut pas mal d'argent avec de la fourrure et de la viande. Et nous, on est potes avec des ours. Très bien que tu ne les chasses pas tous. Bon, du coup, on a trouvé notre cher Raiken, mais que nous dit le journal? Une base cachée quelque part dans la forêt de Bois de l'Arce. Mais là, on n'est toujours pas au Bois de l'Arce. Hein. Là, on est juste avant, je crois. Bon, peut-être qu'on va essayer de sortir. Hein. Yes, le camp des bandits, il est là. On fait un rush. Sachant que j'aurai pas masse de temps en plus après. Là, dans pas longtemps, en vrai, je devrais avoir fini. J'ai découvert le camp des bandits, la plus grande tente doit appartenir à leur chef. Je devrais y trouver des documents qui révèlent qui tire les ficelles. Mais je crois qu'on sait qui tire les ficelles, non? Bon. C'est fait. C'est fait. Voilà. Allons-y tout droit, on va voir. On va sauvegarder là. Et voilà. Ceci est une grande tente, non? Ah non, c'est des ruines. Je pense qu'on peut stratégiquement utiliser ces ruines pour pouvoir les bomber au clat au fur et à mesure, mais gardons ça en tête. Ah, bah voilà, forcément. C'est des zombies, ça. Ça ressemble à des zombies. Razad, tu vas peut-être pouvoir t'amuser à faire de la lumière. Oui, c'est des zombies. Ah. Bon, bah j'ai mis la musique, hein. Est-ce que tu peux nous faire des pouvoirs? Voilà, la paume de la mort qui tue. Ça, c'est super efficace. Avez-vous besoin de mes services? Oui, ô figure autoritaire omniprésente. Moi, je m'en vais. Et maintenant, où? Voilà, vous coupez un morceau. Passons aux choses sérieuses maintenant. Oui? Oui, bien sûr. Oh là là, il y en a plein. Incroyable, hein. 2023, les gens ont rejoué à ce jeu. Alors qu'il fallait juste aller tout droit. C'est chill des skills d'apprentissage, incroyable. Nous, on va continuer par là. Hein. Là, il y a l'air d'avoir des choses. Là, il y a de l'eau. Ah! Et ils ont toutes leurs cliques. Tous des animaux. Tous des. Ils ont. Comment dire? La lame vous coupera un morceau. Non, mais parce que là, en plus, comment on fait? On peut prendre de la vie un déjà quelqu'un mort? Ah bah non, apparemment. Et maintenant, où? Passons aux choses sérieuses maintenant. Mais c'est les squelettes du film là, comment ça s'appelle? Jason et les Argonautes. Ils ont les mêmes épées et les mêmes rondards. Oh, mon cœur n'y est pas vraiment. On a du niveau hein, parce que là on prend moins de coups. Oui, bien sûr. Je pense que le fait d'avoir monté un niveau, on s'est dit ah, peut-être qu'on peut lever le bouclier. Bon. Vu que Razad va tellement vite que j'aurais dû peut-être lui mettre les détections des pièges. Hein. Franchement, on va peut-être mourir avant. Hein. Bon, sauvegardons. Logiquement, je devrais m'arrêter maintenant. On va s'arrêter d'ici 10 minutes, histoire de faire voir la difficulté du camp de bandits.
N'hésitez pas à proposer le raid, hein, parce que ça commence à devenir compliqué pour moi maintenant, je ne connais pas grand monde. Ah voilà, mon réveil. Tant. Il a coupé le son, hein. Je trouve que c'est un peu abusé. Bon. Plus grand que ça la map là. Attendez, excusez-moi. Est-ce possible, hein? Et j'ai l'impression que c'est là. Je dirais que c'est bien au centre. Voilà, mais c'est forcément au centre. C'est un bandit? Oui, c'est un bandit. Bon. Razat, tu peux... Voilà, merci. On va te donner de la vie, t'inquiète pas. Hein. On est là pour ça. Mais essayez, j'ai deux possibilités de faire de la vie, c'est trop bien. Ok, c'est bon, Razat, tu peux revenir. Que se passe-t-il? J'ai l'impression que Khalid il est au dos de temps parce qu'il il porte trop. Ah, mais Dorn est mort! Bon. Ok. On est pas loin. En fait, on aurait pu continuer par là, je pense. Alors, ici, ça devrait être l'entrée. Voilà. Hop. Razat qui prend cher dès le début. Et maintenant, que se passe-t-il? Donc beaucoup de flèches, Dorn est mort encore une fois. Bon voilà. Difficulté, ça va être de sauvegarder Dorn, j'ai l'impression. On va sauvegarder maintenant. Et on va changer notre... Et on va supprimer aussi les sauvegardes auto là. On va changer ça. Sauvegarder. Et comment ça s'appelle? Le camp des bandits. Le... Comme la chanson. Le son. Des bandits. Assez. Hop. Et du coup, comment on fait déjà? Ah oui, c'est... Je vais charger et après je supprime tout.